Le mois de juillet est pour beaucoup synonyme de vacances. Et comme de nombreuses personnes à travers le monde, les people s'accordent eux aussi quelques moments de détente au soleil. Ainsi, Émilie Ratajkowski a posé ses valises en France. Des vacances en famille. Très présente sur les réseaux sociaux, la jolie brune n'a pas manqué de partager quelques clichés de ses vacances en France. Émilie Ratajkowski prend notamment la pause avec son fils Sly, qui sait d'or et déjà dire merci. Mais c'est un autre cliché qui lui vaut de nombreuses critiques. Et pour cause, réputée pour ses photos sexy, la jolie brune a pris la pose dans un lieu particulièrement étrange. En effet, la demoiselle s'est photographiée. Dans un cimetière. Un cliché vivement critiqué, de quoi provoquer la colère de ses fans, dont un grand nombre de ses fans français. Preuve en est avec ces quelques commentaires postés sous sa publication, on peut en parler de la photo dans le cimetière de notre village? Hyper irrespectueux pour les défunts et leurs familles. Un cimetière n'est pas un décor pour des photos instagrammables dans le cimetière, c'est sérieux? C'est indécent, surtout dans cette tenue. Tenue très appropriée pour un cimetière. Dans un cimetière, sérieusement? La photo dans le cimetière, ça va? La morale est morte. C'est sérieux, la photo dans le cimetière. S'habiller décemment est aussi une marque de respect. Émilie Ratajkowski @Instagram, des critiques auxquelles la jeune maman a préféré ne pas répondre. Émilie Ratajkowski semble prendre du bon temps avec son fils. Et c'est finalement le plus important pour la jolie brune. Séparée du producteur Sébastien Bermaclard, elle a vu la presse lui prêter de nombreuses liaisons. Mais elle n'a d'yeux que pour son fils, qui est tout simplement adorable. Et vous, que pensez-vous de ces photos ?